Bonjour à tous, aujourd'hui nous essayons la Clio 4, mais pas n'importe quelle version, puisqu'il s'agit ici de la version RS, restylée. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Clio 4 c'est le véritable best-seller du constructeur Losange, et c'est d'ailleurs pour cette raison que Renault, lorsqu'ils ont décidé de retoucher cette citadine, ont préféré opter pour l'évolution à défaut de révolution. Au chapitre des évolutions, on va noter deux principales. La première va toucher cette face avant totalement nouvelle, et la seconde, l'intérieur. Au niveau de la face avant, on retrouve les feux de jour désormais intégrés dans des optiques full LED qui intègrent la signature lumineuse déjà vue sur la Mégane ou la Talisman en forme de C. Plus bas, au niveau du bouclier, on retrouve donc cet éclairage additionnel en forme de damier qui rappelle donc le concept RSS de la Clio RS. Et plus bas, on retrouve cette lame façon F1 qui est désormais plus courte que précédemment. À l'arrière, rien ne change, on retrouve toujours cet imposant diffuseur surmonté de deux vraies sorties d'échappement. D'après les ingénieurs, ce diffuseur génère jusqu'à 80% d'appui aérodynamique, aidé en cela par ce béquet. Passons maintenant à l'intérieur qui vraiment pour le coup est l'endroit qui subit le plus d'évolution. En effet, Renault a écouté ses clients qui se plaignaient principalement de la qualité médiocre des matériaux. On a donc désormais une planche de bord totalement vêtue de plastique moussé, donc c'est beaucoup plus qualitatif. On a également au niveau de la jante du volant un nouveau plastique qui remplace l'ancien qui datait de 2012 et qui était plutôt cheap. Et évidemment, dans cette version RS, on a plusieurs touches de sportivité, en passant par des touches de couleur rouge. On a également un pédalier aluminium, des palettes au volant, des sigles Renault Sport un peu de partout, et également des sièges RS au maintien plus que marqué. L'avantage de la Clio 4 RS comparée à une 3 RS, c'est qu'elle est désormais 5 portes. Comprenez par là qu'on peut désormais embarquer toute sa petite famille pour le week-end. Ils vont bénéficier du même espace que dans une Clio 4 standard, au niveau des jambes, au niveau des épaules et au niveau de la garde au toit. Et en prime, on va bénéficier du même coffre qui oscille de 300 à 1146 litres. Sur la route maintenant, on a droit au 1600 turbo de 200 chevaux, accouplé automatiquement à la boîte automatique à double embrayage EDC 6 rapports. Comparé à l'ancien bloc que ce dernier remplace, c'est vrai que c'est beaucoup moins démonstratif, beaucoup moins sonore, mais en contrepartie, on consomme moins. On a donc une consommation mixte de 30% en baisse, pour s'établir désormais à 6,9 litres au 100, donc c'est relativement correct pour 200 chevaux. On a également des performances, et c'est là que c'est vraiment intéressant, très proche du 2 litres atmosphérique. On a un 0 à 100 établi en 6 secondes 7. Et pour terminer, on a un couple maxi disponible dès 2000 tours de 260 Nm. Pour les puristes, ne vous inquiétez pas, Renault ne vous a pas oublié puisqu'on a la possibilité d'avoir un châssis sport comme ici ou un châssis cup beaucoup plus ferme réservé principalement pour le circuit. Et pour les plus mordus d'entre vous, vous pourrez opter pour la version Trophy qui pour le coup n'a plus rien à voir avec cette RS là puisqu'on a un moteur désormais de 220 chevaux et également des réglages de train roulant et également d'amortissement différents. Enfin, pour ceux qui se plaignent de la lenteur de la boîte automatique, sachez que lorsque vous appuyez sur le bouton magique RS Drive, vous passez la voiture en mode sport et du coup, vous améliorez deux points. Le premier, c'est la sonorité du moteur puisque vous libérez les clapets au niveau de la ligne d'échappement. Et le second, c'est la réactivité de la boîte automatique puisque en manuel, c'est beaucoup plus réactif. Sachez également que sur cette version restylée et uniquement sur la version Trophy, vous avez la possibilité d'opter pour une ligne d'échappement Akrapovic qui améliore nettement les vocalises du moteur. En conclusion, cette Clio 4 RS est une sportive moderne, comprenez par là qu'elle est beaucoup plus polyvalente que précédemment. Elle séduira à coup sûr les parents pressés qui souhaitent tout de même profiter des atouts d'une RS, à savoir le moteur, le freinage, également le look, sans pour autant renoncer à embarquer au quotidien la petite famille. Pour les autres, ils opteront pour le châssis cup ou encore la version Trophy.